Le PSG est dans l'obligation de recruter un avant-centre de qualité. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, le PSG doit à tout prix recruter un avant-centre. En l'occurrence, c'est Harry Kane. Je pense à Harry Kane, les gars. Le PSG doit faire le forcing sur Harry Kane. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Puisque Benzema est parti en Arabie Saoudite, il reste Lewandowski, Haaland et Harry Kane. Pour moi, ces trois avant-centres-là sont les meilleurs du monde actuellement à leur poste. Harry Kane, c'est un mec qui peut décrocher, c'est un mec qui peut donner des passes décisives, c'est un mec qui participe au jeu. Je trouve vraiment complet. Il est bon de la tête, bonne vision du jeu. Donc, le PSG doit foncer sur lui. Certes, ça coûte cher. On parle de 140 millions d'euros, mais le PSG doit mettre le prix, les gars. Aujourd'hui, si tu veux avoir un jeu de qualité, tu dois mettre le prix. Tu dois payer le prix. Donc, franchement, ce que j'ai vu là, face à Al Nassr, le PSG manque cruellement d'avant-centre. C'est Marco Asensio qui a joué avant-centre contre Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Donc, ça montre à quel point le PSG est dans l'urgence de recruter. Ils doivent vraiment recruter un avant-centre de qualité. Ils doivent recruter un avant-centre de qualité. Et je pense notamment à Harry Kane. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que le PSG va réussir à recruter Harry Kane? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.